Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Ce mercredi 27 avril 2011, Kamba, la cité sainte, s'est tournée pour recevoir la triple cérémonie de clôture du jubilé du décès de Maman Marie Mouilou, amorcé le 27 avril 2009, la commémoration du 50e anniversaire depuis sa mort, ainsi que l'inauguration de 4 mausolées où reposeront pour l'éternité l'épouse du prophète Simon Kimbangu, la mère nourricière de l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste et les épouses de Diangenda Kuntima Joseph et Dialungana Kiangani Salomon. Un événement détail pour les femmes kimbanguistes qui ont pris d'assaut la nouvelle Jérusalem pour ne pas rater cette cérémonie. Invité, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dépêche son épouse sur les lieux pour le représenter. Habillée aux couleurs kimbanguistes, la première dame de la République quitte Kinshasa à bord d'un hélicoptère pour rejoindre la Terre Sainte. Sur le coup de 11h local, l'hélico qui amène la représentante personnelle du chef de l'État se pose en Kamba sous les ovations des fidèles et de la fanfare kimbanguiste. Marie-Olive Lembe Kabila foule la Terre Sainte, fleurie et l'est accueillie avec un grand honneur. Son statut de première dame ne l'empêche pas de se conformer aux recommandations du lieu. Pieds nus, elle partage la joie de ses hôtes. Elle sera directement conduite auprès du père spirituel Simon Kimbangu Kiangani pour un entretien à huis clos avant de rejoindre le temple pour le culte. Célébration subdivisée en deux parties. La première liturgique sera consacrée à la prédication,
tiré des évangiles selon Luc 2, 36 à 38. L'oratrice du jour va s'attarder sur les vertus de la veuve nommée Anne qui n'a pas abandonné son Dieu et ses lois malgré la mort de son mari. De la même manière, Maman Mouilou s'est confiée à Dieu malgré la persécution et l'arrestation de son mari, le prophète. L'oratrice conclut son message en interpellant les femmes sur la gestion de leur foi face aux difficultés du moment. La deuxième partie du culte sera sociale. C'est ici que les femmes de l'église kimbanguiste vont lire leurs mots pour louer les vertus de Maman Marie Mouilou, Kiawanga Nzitani, femme armée d'un courage extraordinaire et d'une foi profonde pour mener un mouvement clandestin kimbanguiste défiant le pouvoir colonial belge qui venait d'emprisonner son mari, le prophète. Elles ont saisi l'opportunité de la présence de la première dame pour transmettre leur remerciement au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a décerné à Maman Mouilou une médaille d'or de mérite maternel à titre posthume. À l'instar de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, qui a été hautement couronné par la nation congolaise en 2010 lors de la célébration du cinquantenaire de la République, où M. Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, a élevé Papa Simon Kimbangu au rang de grand cordon, dont l'ordre des héros national, Kabila Lumumba, et l'a déclaré solennellement comme le précurseur des indépendances africaines. Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani bénéficia elle aussi les hommages de la République. En effet, après son jubilé le 27 avril 2009 et après son exhumation en Gombe Kinsuka et son réinhumation en Kamba Nouvelle-Jérusalem aux côtés de son mari, il a plu au président de la République et chef de l'État de décorer Maman Mouilou par le biais de la chancellerie des ordres nationaux en lui décernant à titre posthume le 6 avril 2010 une médaille d'or des mérites maternels. Puis son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, trouvait ici l'expression renouvelée de notre profonde gratitude et de notre très haute considération. Tokosenga na maman présidente, Olive Marie Olembe Kabila, maman Telemé la Bissobana na utopé sa robot. La parole à son tour, l'époux du chef de l'État sera bref et clair. Marie-Olive Lembe Kabila salue les vertus des mamans Mouilou qui, pour elle, reste un modèle pour toutes les Congolaises. Elle rassure cependant la communauté kimbanguiste du soutien sans faille du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Tout simplement, il faut le voir, bien sûr, tout reconnaître.